Isabelle Harvert, je suis commissaire d'exposition Art et Nouveaux Médias spécialisée dans l'art et les jeux vidéo et je viens vous présenter des ateliers machinima. Ateliers, jeux vidéo et cinéma. Alors, les machinimas sont des films courts réalisés à partir de moteurs de jeux vidéo et donc l'idée des ateliers, c'est de proposer donc soit des collèges, des MJC, des structures culturelles ou même des expositions. Des ateliers de conception de films à partir de moteurs de jeux vidéo. Alors comment ça se passe? Soit on va partir de jeux vidéo existants et on va enregistrer des parties de jeux et ensuite les monter comme on montrait des séquences audiovisuelles et puis rajouter des dialogues. Donc c'est vraiment un travail d'écriture scénaristique mais aidé des jeux vidéo. Ou alors on travaille avec des logiciels dédiés pour la conception de films à partir de moteurs de jeux. Et là comment ça se passe? En fait on crée ces décors, on crée ces personnages, on fait de la direction d'acteurs virtuels et puis après on fait du montage en enregistrant les dialogues directement à partir du même logiciel. Alors en fait les machinimas, pour expliquer à grand-mère, bah ça pourrait être l'idée de enfin pouvoir s'intéresser aux jeux vidéo, mais autrement que juste en regardant des parties de jeux auxquelles on ne comprend rien. Là, le fait de pouvoir faire un machinima, c'est-à-dire de pouvoir faire un film en se servant d'un jeu, c'est que là, on va être maître de l'histoire qu'on raconte. Donc on prend des images qui viennent des jeux vidéo et on les remonte pour raconter des histoires. Alors après une année d'atelier avec différentes structures, ce dont on aurait besoin aujourd'hui, en fait, c'est de pouvoir aller former les formateurs. Pourquoi? Parce que quand on se déplace pour faire des ateliers, eh bien on vient, on fait notre atelier, des films sont réalisés et puis après l'expérience s'arrête. Ce qu'on aimerait aujourd'hui, en fait, c'est pouvoir former des animateurs, former des formateurs pour qu'après notre venue, eh bien il y ait des ateliers machinima qui continuent un petit peu partout en France et qui essaiment sur le territoire.